Bonjour mon lieutenant, donc en quoi consiste la colonne Bravo ? Donc bonjour, la colonne Bravo est une colonne qui est engagée au titre des renforts au sud de la France. C'est un engagement solidaire au niveau national, de façon à prêter main forte et collaborer avec nos collègues du sud. La colonne Bravo est constituée de trois GIFs bien distincts, engageant plusieurs départements. Le département de la Saône-et-Loire, depuis plusieurs années, a engagé un demi-groupe qui constitue avec un autre département un GIF complet, le GIF 71. Ça veut dire quoi, GIF ? GIF, c'est un groupe d'intervention en feu de forêt qui est constitué de en fait, 4 véhicules lourds, 4 CCF, camions citernes feu de forêt, et une VLHR, une VL hors route de commandement, plus un camion logistique qui sert d'appui pour l'ensemble du groupe, environ 20 personnes. Donc vous étiez 20 personnes. Vous avez fait quel type de mission donc dans le sud ? Alors les premières missions qui nous ont été engagées dans un premier temps, c'était prise en compte du risque du département sur la période où nous avons été engagés. Ensuite, c'est une connaissance du secteur avec la mise à disposition d'un officier local et de la cartographie. Outre les missions de dispositifs préventifs, c'est-à-dire d'être placé géographiquement à des endroits stratégiques où le risque est important, durant cette semaine, le groupe d'intervention Feu de forêt 71 a été engagé à 3 reprises sur des missions feu, sur des départs feu, dont 2 notoires, à savoir le feu de Vitrolles qui a fait 300 hectares, 30 hectares, et le feu de Saint-Mitre, les remparts, qui lui a fait plus de 600 hectares. Sur les 2 fois, le GIF 71 a été engagé en contact en primo intervenu. Et donc, vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez été volontaire pour accomplir ces missions de renfort Bravo ? Bon, déjà, dans un premier temps, c'est une passion depuis qui persiste depuis quelques années. Le SDIS de Saône-et-Loire avait une volonté d'engager du personnel et des moyens, et afin de répondre correctement à la commande et en même temps participer à ces actions qui reste très enrichissante et très aguerrissante pour la profession et faire de belles connaissances et partager de très bons moments avec les collègues du Sud. Félicitations, merci mon lieutenant.